Je suis volailler au marché de Talensac à Nantes. Alors chez nous, on travaille, oui, la pintade sous toutes ses formes, selon les terroirs déjà de production. On va travailler avec des pièces qui sont de l'Inde, des Landes et de Chalands, par exemple, avec des typicités d'engraissement qui leur sont propres et singulières. Et ensuite, on va les travailler en pièces entières, forcément, pièces détaillées, les cuisses, les suprêmes. Puis, chez nous, sur notre étal, on travaille beaucoup les produits élaborés, donc on peut retrouver des rôtis de pintade sur des pièces désossées, avec des farces volailles. C'est une viande qui est intéressante pour la multiplicité des produits qu'on va pouvoir combiner en fait finalement en mariage avec la pintade. On va pouvoir les jouer avec les acidulés, les sucrés francs qui feraient de la mangue, des pommes, chez nous on a des combinaisons de poires, de figues, un mariage au foie gras qui se fait parfaitement bien aussi. Tous ces saveurs, on a sur la pintade un goût très fin, et plus marqué que sur la viande blanche d'une manière générale. Donc on a des combinaisons aromatiques plus intéressantes. J'ai découvert la pintade très tôt puisque je suis issu du milieu agricole et chez nous on avait un poulailler. Le souvenir qui me revient comme ça d'un coup, c'est plutôt les préparations de ma grand-mère. J'ai un souvenir plutôt d'une pintade cuisinée à la cocotte en pintade entière et qui cuit tranquillement dans une grosse cocotte en fonte au four. Alors la pintade, justement, il faut la présenter parce que c'est vrai que les clients viennent pas forcément naturellement à la pintade. C'est un produit qui demande à être présenté, à être introduit finalement en cuisine. Par contre, c'est une rencontre quand on l'a fait qui fonctionne toujours. On discute beaucoup avec les clients. On cherche d'abord à savoir ce qu'ils recherchent exactement avec le produit qu'ils commandent chez nous. Vraiment s'intéresser au fait qu'ils cherchent à les faire plutôt en cuisine cocotte, en cuisson qui serait au four. Et auquel cas, on va affiner notre conseil. Donc proposer de couper, de vider la volaille. Éventuellement de la désosser si c'était pour faire un farci dans les périodes de Noël. Chez nous, on conseille des cuissons qui sont relativement basses. On fait des cuissons à 160 degrés sur les viandes blanches et notamment sur la pintade qui est une chair qui est un peu serrée. Donc il y aurait vite tendance à prendre un côté un peu serré, un peu sec quand on est sur une cuisson au four. Donc on va conseiller nous plutôt des départs à froid, par exemple chez nous, des cuissons à 160 degrés, des cuissons dans la longueur. Bien rappeler qu'il faut, c'est pas un produit qu'on va mettre au four, ça demande d'être accompagné un peu en cuisson, arrosé, travailler un peu la pièce, l'arroser, la retourner et faire les cuissons adaptées à la pièce qu'on va acheter. Donc, éventuellement papillote pour les suprêmes, cocotte quand on veut faire des cuissons en morceaux. Bien sûr, on va avoir une demande de pintade un peu plus marquée dans l'automne. Sur la période de fête, ça permet sur des petites tablées, on envisage la dinde et le chapon à Noël, les champignons à l'automne, on a les pommes quand on arrive dans la fin de l'automne et éventuellement à traîner un petit peu plus sur l'hiver. Puisqu'on a une viande maigre, on va la proposer dans les régimes qui parfois s'imposent ou que l'on s'impose au printemps pour préparer la plage. Donc finalement, elle trouvera sa place dans la vitrine à n'importe quelle saison. C'est vrai qu'il passe à côté d'un produit qui est plutôt intéressant. Il va donner place à des recettes plutôt un peu plus exotiques, un peu plus osées, un peu moins traditionnelles peut-être. Un produit, on le dit, qui rappelle un petit peu les souvenirs d'autrefois, mais qui aujourd'hui, travailler avec des recettes un peu plus modernes et des techniques de cuisson plus contemporaines, permettrait une cuisine de quotidien assez facilement. Ma dernière recette, plutôt la dernière fois que j'ai eu à cuisiner, c'était pas plus tard que la semaine dernière, tout simplement une pintade un petit peu grasse, une pintade que j'ai faite au four, en cocotte en fonte. Tout simplement, je l'ai fait colorer dans un premier temps pour récupérer quelques sucres de cuisson. J'y ai mis tout simplement des légumes de saison, donc on a retrouvé des pommes de terre, des carottes, des navets, aussi bêtement que ça. J'ai fermé ma cocotte et je l'ai passée au four pour 2 heures à 180 degrés. La viande était fondante, les légumes s'étaient parfumés du jus de volaille. La volaille elle-même s'était parfumée et complétée du jus du goût des légumes et c'était simple et parfait.